So welcome, everybody. Welcome, Céline. Welcome, Francois. Thank you, Maria, for joining us. Okay, bonjour Steve. À tous. Bonjour, Céline, Françoise. Merci de participer. Et je suis Maria. Je vais traduire. I wanted to do this session because I wanted to demonstrate using the tapping and also using the intention-based energy process for business blocks. Je voulais vous proposer cette séance aujourd'hui pour faire des démonstrations de tapping et aussi la energy-based, what did you say, Steve? Intention-based energy process. OK. Le processus énergétique basé sur l'intention, qui est une nouvelle méthode de Steve, et il va nous montrer comment utiliser ça pour les blocages dans votre business. Now, we won't have time to explain this in detail, but this is just a little bit of a taste of what we'll be doing the workshop. On ne va pas expliquer ces techniques dans les détails, mais vous aurez un échantillon, un avant-goût de ce qui va se passer au séminaire à Paris au mois de septembre. So thank you to my two victims, I mean volunteers. Merci à mes victimes, volontaires. Cool, thanks to you. Merci, oui. So, François, I asked you to think of a business block that you have in your business. Yeah. Françoise, je t'ai demandé à penser à un blocage dans ton business, dans ton activité professionnelle. Can you just first tell me, tell everybody what is your business? Tu peux nous dire quelle est ton activité? Psychothérapeute. Psychotherapist. Yes. Mm-hmm. Okay. Voilà. And what's the challenge for you? Et quel est ton défi, ton challenge? Croître. Pouvoir aider plus de gens. Grow my business and help more people. Okay, so you know the tapping already, right? Yes. Tu connais déjà le tapping. Okay, so you're already doing the finger tapping? Yes. Okay. Donc tu tapes déjà sur les doigts. All right, so just so everybody watching knows that we will be doing the fingertip tapping the whole time unless I specifically suggest to tap on the face points. Donc, si vous ne voyez rien d'autre, sachez que nous tapotons tous sur les points sur les doigts, sauf si vous voyez Steve faire les points sur le corps. Okay, so what prevents you from this, from getting your business out there more? Alors, qu'est-ce qui t'empêche de parler plus de ton activité, de rayonner plus? Okay, that's enough. A big sigh. Bon, ça me suffit, merci. je n'aime pas le marketing. I don't like marketing. Okay. And that sigh and that feeling is connected to marketing. Et ce soupir, cette sensation, c'est quand tu penses au marketing? Oh oui. Oh yes. Okay. So when you think about marketing, there will be some bad thoughts and some bad feelings. Donc, absolument. Quand tu penses au marketing, il y a des mauvaises sensations et des mauvaises pensées. Absolument. And where are the bad feelings? Où sont ces sensations? Au niveau de la nuque et du sternum. In my neck and in my on my chest bone. Okay, which is stronger, the neck or the chest feeling? La nuque. The neck. Okay. And what is that feeling doing? Is it a tightness? Is it heavy? Qu'est-ce que tu peux décrire cette sensation? Mais je me sens poussé vers le bas, retenu. It's as if something was pushing me down, holding me down. All right. So just put your attention on the feeling and tap. So concentre-toi sur cette sensation et tapote. Donc là, on fait les points. And the simplest way with tapping is just to put your attention on the feeling and just notice what happens. La façon la plus simple, c'est juste de te concentrer sur cette sensation, tapoter et voir ce qui se passe. Oui. Yeah. So this already starts to shift the energy a little bit. Donc ça commence déjà à changer l'énergie un petit peu. But I want you to try this statement. And just je voudrais que tu essayes cette phrase. Just say, I restore the right energy flow to my neck and shoulders. Je restaure la bonne énergie dans ma nuque et mes épaules.
Je restaure la bonne énergie dans ma nuque et mes épaules. And just let that do whatever it does for a minute. Et laisse agir cette phrase. Mm-hmm. And just notice what happens. Either it gets worse or it gets better. It changes or moves. What's happening now? Et note ce qui se passe, si ça s'aggrave, si ça s'améliore, ça bouge, ça change. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais tout se délie, mais j'ai comme un point, ça n'est plus qu'un point, comme si c'était un bouton sur lequel je pouvais pousser on-off. It's dissolving, and now it's just to one specific point, and it's like a button that I could push on or off. Okay. So... And I notice Celine is yawning as well, which means that she's getting the benefit of tapping while you're working on this issue. Maybe she has something very similar. Yes, thank you. This is peut-être que Céline a des blocages similaires parce qu'on voit qu'elle réagit aussi. Elle profite aussi de cette séance avec Françoise. This is the great thing about doing this in a group, and what I really love when we do the workshop is that people will get benefits from each other. C'est ça qui est génial quand on le fait en groupe et dans les séminaires, c'est vraiment super parce que tout le monde profite de la séance de chacun. And you know that yawning is a very good sign that energy is starting to move. Et le fait de bâiller, c'est généralement un bon signe que l'énergie commence à circuler. Okay. So François, I want you to think about marketing and tell me what happens with the feeling. Alors, Françoise, pense au marketing et dis-moi quelle est la sensation maintenant. Elle n'est plus du tout à cet endroit-là. It's not in the same place anymore. C'est comme si c'était tout autour de ma tête. Now it's all around my head. Okay. So we could keep working on the feelings, and that's probably a very good thing to do with you. On pourrait continuer à travailler avec cette sensation, et je pense qu'avec toi, c'est une bonne chose à faire. But we can also target the thoughts that are triggering the feeling. Mais on pourrait aussi travailler plus de façon plus ciblée sur les pensées qui déclenchent cette sensation. So tell me what you hate about marketing. What you heard about marketing? Hate. Oh, dis-moi ce que tu détestes dans le marketing. Me soumettre à des façons de faire. Submit myself to ways of doing. Ooh. So when François thinks about marketing, she has to submit. Donc quand tu penses au marketing, il faut que tu te soumettes. Oui. Marketing is like a master that's a very bad master. Le marketing, ça serait un mauvais maître. Un code de loi que je n'aime pas. A sort of law that I don't like. Okay. So when we apply the intention process, we can apply it to the thought or to the metaphor. Donc, quand on travaille avec l'intention, on peut l'appliquer à la pensée ou à une métaphore. So just say, I release all my emotional attachments to marketing. Je relâche tout mon attachement au marketing. Je relâche tout mon attachement émotionnel au marketing. We're not helping you as much as we're helping Celine. Peut-être que ça ne fait pas grand-chose pour toi, mais pour Céline, en tout cas, ça réagit. And marketing is a big concept, but within that, you also have this metaphor of having to submit. Alors, le marketing, c'est un concept très vaste, mais quelque part à l'intérieur de ça, il y a cette notion de soumission. Oui. So just say, I release all my emotional attachments to having to submit. Donc, dis juste, je lâche et je libère tout mon attachement émotionnel au fait de me soumettre. Je libère et je lâche tout mon attachement émotionnel au fait de me soumettre. And just keep tapping and notice what happens next. Et continue à tapoter et note ce qui se passe pour toi. Je suis vraiment en résistance.
I can really feel resistance. Yeah. So now we've gone to the big thing, which is triggering the resistance. Yeah. Donc maintenant on touche à quelque chose de plus grand qui déclenche cette résistance. And the problem is not so much that you don't want to submit. The problem is that you connect marketing with having to submit. Le problème, ce n'est pas vraiment que tu n'aies pas envie de te soumettre, c'est que le marketing pour toi est connecté à la soumission. Yeah, oui. Yes. So we need to release that attachment. On a besoin de lâcher cet attachement, cette connexion. OK. So just say, I release all my emotional attachments to marketing is submission. Je lâche et je libère tout mon attachement émotionnel au fait que le marketing, c'est la soumission. Je libère et je lâche tout mon attachement émotionnel au fait que le marketing, c'est la soumission. And just notice what happens. Apaisement. Il y a de l'apaisement. I feel more peace. Okay. Now, that issue of submission is a big issue from your life. Cette question de soumission est probablement un plus grand sujet dans ta vie. Ah bon? Uh-huh. Oh really? And ultimately, we want to treat the roots of where you link such pain to this. Et au final, on voudrait traiter la racine qui a créé cette connexion pour toi. But maybe first, we just need to detach that from marketing. Mais d'abord, il faut déconnecter la soumission du marketing. So I want you to think about marketing. Donc pense à ton marketing. And notice what happens with the feeling this time. Et note ce qui se passe dans la sensation maintenant. Je suis bien, je suis confortable. J'ai des images. Okay. I'm comfortable. J'ai des images qui me viennent. I have images, scenes coming to me. Did you say scenes? Images? Images. Yes. Oui. What are the images? What are the scenes? Quelles sont les images? Les murs de New York couverts de publicité. The walls in New York covered with ads. Ah, okay. So this is a bad thing, right? Alors ça, c'est quelque chose de mauvais. Mais étonnamment, c'est... non. C'est no, surprisingly, no, no. Ah, okay. So when you see those images, what happens with the feeling, maybe this feeling or the chest feeling? Alors, quand tu regardes ces images, quelles sont les sensations? Dans la nuque, dans la poitrine? Tout va bien. It's okay. Okay. So... C'est comme si, avec ces images, je pouvais voir que ça ne m'atteint. Oui, il y a une association qui ne se fait plus. I see these images and I don't feel connected to them anymore. Okay. All right. So there might be many different aspects to this problem, but maybe that aspect has started to move. Il y a certainement plusieurs aspects à ce problème, mais celui-là, en tout cas, a bougé. Oui, tout à fait. So the next step, when we have a bit of an opening, is to think about your intention. Alors, la prochaine étape, puisqu'on a une ouverture, ça serait de penser à to think of your intention. Your intention, your goal, what you would like. Donc maintenant, tu peux penser à ton intention, ton objectif. C'est difficile parce que ce qui me vient en tête, c'est j'ai envie que ce soit simple et facile, quoi. C'est,
It's difficult to me for me to think about that because what comes to mind is it should just be easy and simple. Ah, so now we find another block. Alors voilà un autre blocage. Yes. This is what many people have, which stops them from being able to go forward in business. C'est un blocage très courant qui empêche beaucoup de gens d'avancer dans leur business. Because a lot of people who have made a lot of money make money by telling you that it's just going to be simple. Parce que plein de gens qui gagnent de l'argent en te disant que ça va être facile. And so when it gets a little bit hard, we stop. And we think it means I'm bad or I'm wrong. Et dès qu'il y a la moindre difficulté, on s'arrête et on pense que ah, il doit y avoir quelque chose qui va pas chez moi. So now that we have another block, we can apply the same process to this block. Donc maintenant qu'on a cet autre blocage qui se présente, on peut utiliser le même processus avec celui-là. Because if you can release your attachments to the belief that it should be easy. Parce que si tu peux lâcher cet attachement à l'idée que ça devrait être facile, then when it's hard, it won't be so hard. Quand tu rencontres ces difficultés, ça sera moins difficile. Because when you believe it should be easy and it's hard, parce que quand on pense que ça devrait être facile, mais c'est difficile, then the hard is very wrong. La difficulté veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. And so the hard becomes super hard. Donc, ça devient de plus en plus difficile. But let's just pause here. On va faire une pause. Because I'd like to invite Céline to join in. Parce que je voudrais inviter Céline à partager ce qui se passe pour elle. So thank you, François. Merci, Françoise. Okay. Merci, Steve. Uh-huh. Thank you, Steve. We'll just pause here. Okay, so Céline, welcome. Alors, Céline, bienvenue parmi nous. And I saw you yawning when we were doing the tapping with François. What happened? Je t'ai vu beaucoup bâiller pendant la séance de Françoise. Qu'est-ce qui s'est passé? I wonder. Je me demande. I have some issue about it's not really marketing. Mm-hmm. Moi, mon problème, c'est pas vraiment le marketing. It's kind of linked to that, but it's more about I would like to have to get more clients, to be more visible. Yes. So when c'est it's un peu connecté au marketing, mais je voudrais surtout avoir plus de clients. And the thing is, all the time, people connect with me by my website and by the internet. Les gens me contactent via internet, via mon site. Ça, cette partie-là, c'est facile. So it comes with ease. Ça vient aisément. And I send some email too because now, yes, I am an EFT practitioner. And I'm doing some other energetical process like bars. Mm-hmm. Je travaille avec l'EFT et les bars. Donc moi aussi, je suis praticienne en soins énergétiques. And so now I'm doing training too. So I send emails to people. And, et je fais aussi des formations. Donc j'envoie des mails pour faire connaître mes services. So it's new for me, and it's okay. C'est tout nouveau pour moi, mais j'aime bien. OK. So, great. What's the problem? Quel est le problème? By mail, it's OK. When people come to me, it's OK. But the thing is, it's not enough to have new clients. And now I am in this step that I have to go for it. So, I have to be donc, more... Les gens me contactent par mon site et par le mail, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait vraiment que je me mette plus en avant. Sorry, Maria Annelle. you have to jump. Yes, and what I've noticed, I'm going to try to be clear. No.
just translate so far? Il faut que tu te jettes, il faut que tu jump. Okay. You don't need to be clear because you're already having the feeling. Clair. Il y a déjà la sensation. Okay. So put scan through your body and notice what's happening. Scan ton corps et note ce qui se passe. I've got an oppression here. Okay. Il y a une oppression sur la poitrine. So while you have that oppression feeling, your thinking will not be clear. Tant que tu as cette sensation, tes pensées ne seront pas claires. Yes. So, where would you describe that? Is it in the center of your chest? Yes. C'est où précisément? C'est ici, sur le sternum aussi? Yes. Okay. So, put one hand on your chest, where the feeling is. Mets une main là où tu as la sensation. And just tap. Et tape sur les poings avec l'autre main. And my heart is beating. Yes. Et mon cœur bat fort. Good. C'est bon signe. Yes, I'm alive. It means you will live. Ça veut dire que tu es vivante. But too fast, yeah? Yes. Mais elle bat un peu trop vite. Okay. So say, I restore the right energy flow to my heart. Je restaure le bon flux énergétique dans mon cœur. Je restaure le bon flux énergétique dans mon cœur. So your system is reacting like it has a threat. Ton système réagit comme s'il y avait une menace. Oui, c'est ça. So being visible is a threat. Être visible pour toi serait une menace. It's not really that. Mm-hmm. C'est pas vraiment ça. It's more than I feel like I beg. I beg something and I had that. C'est plutôt comme si je suis en train de quémander quelque chose. When people come to me, it's fine. Or even when I send email. And quand les gens viennent vers moi, quand c'est passif, ça va. Or when I send email and they say, yeah, I'm registered for your training, it's okay. But when I have to do it, you know, where I am with people or even in a party or with some friends, I don't talk about what I'm doing. C'est okay quand j'envoie mes mails et que les gens ont juste à dire oui, mais si je suis même dans une soirée avec des amis, j'ai du mal à parler de mon activité. It's like I'm begging something. I don't know. It's weird. C'est comme si j'étais en train de demander quelque chose. And so now I notice François is yawning. So this means you are helping her. Cool. Alors, Françoise est en train de bâiller. Donc tu es en train de l'aider, elle. Okay. So because you connect this with begging, it has a negative feeling. Donc, puisque tu as cette connexion avec le fait de commander, de faire la manche, c'est ça le problème. Okay. Yes. So, we can just focus on that and we can tap. On peut se focaliser là-dessus et tapoter. But we can also use the intention process to release this attachment. Et on peut aussi utiliser le processus d'intention pour relâcher cet attachement. So, just say, I release all my emotional attachments. Je relâche tout mon attachement émotionnel. Je relâche tout mon attachement émotionnel. To putting myself out there is begging. Au fait que me mettre en avant, ça veut dire que je fais la manche. Au fait que de me mettre en avant, ça veut dire que je fais la manche. And just let that do what it does. Just let that. Et laisse faire. Laisse faire ce qu'il doit se faire. Let it percolate for a minute. Laisse mijoter. Okay. Now what comes up now? Alors, qu'est-ce qui se présente? It's still heavy in my chest. Mm-hmm. J'ai toujours cette sensation lourde dans la poitrine. Mm-hmm.
But you had a reaction. What was the reaction? Il y a eu comme une réaction. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yes, it's very heavy, these begging things. C'est vraiment lourd, cette histoire de faire la manche. Yes. Yes. And I could say logically that this is not begging, but that won't help. Et je peux te dire que logiquement, non, bien sûr, c'est pas de faire la manche, mais ça va pas t'aider. Non. Because it feels like begging. Exactly. Parce que pour toi, tu as l'impression que c'est faire la manche. Okay. Mm. So just say, I restore the right energy flow to my chest. Alors, dis simplement, je restaure le bon flux énergétique dans ma poitrine. Je restaure le bon flux énergétique dans ma poitrine. And just notice what happens. Et note ce qui se passe pour toi. It's better. Okay. Ça va un peu mieux. You look like you're at the gym. Yeah, I'm dancing. Yes, it's the energy. Tu en profites pour faire ton sport. Oui, je danse. Okay. So, now, you don't just have an attachment that this is begging. You have a bad attachment to begging. Donc, c'est pas juste l'attachement que te mettre en avant, c'est faire la manche, mais il y a un attachement où ça se fait de faire la manche. So, I'm curious about that. And where that connection came from. Je suis curieux de savoir d'où pourrait venir cette connexion. But just say this and we'll see how strong the connection is together. Just, alors, dis juste cette phrase, on va voir quelle est la force de la connexion. Just say, if I promote myself, it's begging. Dis simplement, si je me mets en avant, ça veut dire que je fais la manche. Si je me mets en avant, ça veut dire que je fais la manche. No, it's not that. What's that? Non, c'est pas ça. It's not that. It's not about... ce n'est pas de mettre en avant. It's not the fact that I promote myself. Yes, maybe. I had the same thing when I was young. I wanted to be a photographer. And j'ai eu la même chose quand j'étais plus jeune. J'avais envie d'être photographe. And I couldn't sell the picture I was taking. Mais c'était impossible de vendre mes photos. Yes, so I didn't even try it. J'ai même pas essayé. So I stopped. J'ai tout arrêté. Okay, so this is another issue about doing it perfectly. C'est un autre aspect de vouloir tout faire parfaitement. Alors, at this time, it was really personal because it was my picture. Yes. À l'époque, c'était très personnel parce que c'était vraiment ma photo. Now, it's not so heavy because it's not about me. Really. Maintenant, c'est plus facile parce que c'est pas vraiment moi. It's techniques that everybody is practicing, so it's not me, but it's technique que je pratique, que je propose. C'est pas vraiment moi. But it's just the fact that when I talk about that to get clients, I'm begging. I don't know, there is something. Mm. Mm. Mais quand je parle de ces techniques pour obtenir des clients, c'est là que je fais la manche. Okay. Yes. So. I could say don't beg, but. Je pourrais te dire fais pas la manche. Just say all my emotional attachments. Je libère tout mon attachement émotionnel. Je libère tout mon attachement émotionnel. If I talk to someone about getting them as a client. Cette idée que si je parle à quelqu'un pour l'obtenir en tant que client. It is begging. À l'idée que si je parle à quelqu'un de ce que je fais pour l'obtenir comme client, c'est que ça veut dire que je fais la manche. Ça veut dire que je fais la manche. And I want to also, even though you moved a little bit from that little girl, younger girl, let's just. Même si ça a bougé un peu par rapport à cette jeune fille que tu étais. Mm-hmm. Just say, I release all my emotional attachments
to not making a perfect picture. Je libère tout mon attachement émotionnel au fait de ne pas faire une image parfaite. Je libère tout mon attachement émotionnel au fait de ne pas faire l'image parfaite. Just notice what the feeling is doing. Et note juste ce qui se passe avec la sensation. It's lighter. Okay. C'est plus léger. Yeah. Okay. But this was only one part of the problem, and so the problem has a number of parts. And mais ça, c'était juste une partie du problème, mais il y a plein de composantes à ce problème. The thing is, when I talk about what I'm doing, if I don't think about clients and all that stuff, it's very easy for me. It's... Quand je parle de mes activités, seulement je n'ai pas besoin de parler de cet aspect de client et de vendre, tout va bien. But if I get connected, I do that to have clients, I can't do it. Mais quand je pense que c'est pour obtenir des clients, ça s'arrête. Okay. So now you've got a rule in your mind that if you think about clients, that makes it dirty or bad or wrong. Yes. Donc tu as cette règle dans ta tête que si tu penses à obtenir des clients, c'est mal, c'est sale, c'est mauvais. Okay. So just say I release all my emotional attachments. Je lâche, je libère tout mon attachement émotionnel. If I want to get clients, that's dirty and bad and wrong. Wait, let her repeat, Steve. Je libère tout mon attachement émotionnel. Au fait de vouloir obtenir des clients. Au fait de vouloir obtenir des clients. Et à l'idée que ça, c'est quelque chose de mauvais. Et à l'idée que ça, c'est quelque chose de mauvais, ok. Yes, it's very dirty and awful, don't you? Yes. C'est vraiment méchant, c'est vraiment quelque chose de sale, de honteux. What a horrible thing, because if you get them, you might even help them. Yes. C'est vraiment terrible parce que si tu les obtiens en tant que client, tu pourrais les aider. But you can't because your rule says no. If you think about having them as a client, you're not allowed to help them. Mais ça, c'est pas possible parce que selon ta règle, si tu les as en tant que client, tu n'as pas le droit de les aider. But that makes sense to have a rule like this. Et c'est tout à fait sensé d'avoir une règle comme ça. Because this is really a personal rule that you have about not being selfish. Parce que c'est ta règle personnelle de ne pas être égoïste. Maybe. I like it because I don't understand anything what you are saying. J'aime bien parce que je comprends pas un mot de ce que tu me dis. But I think it's a part of you that wants you to have good values and good morals. Yes. C'est une partie de toi qui veut que tu aies des valeurs et des standards très élevés. Exactly. And if you have a bad thought, like you want something for you, that's wrong. Et si tu as une mauvaise pensée du genre tu veux quelque chose pour toi, non, ça c'est pas bien. But really, the best of business is good for them and good for you. Et le meilleur business, ça serait quelque chose qui soit bon pour eux et pour toi. It's a reciprocal thing. C'est réciproque. And so I'm curious if you what's happening with this feeling? Là, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe avec la sensation. My chest is it's okay now. Mm-hmm. Au niveau de la poitrine, c'est bon maintenant? And my heart too. Et mon cœur, ça semble ok. Uh-huh. But your left big toe. Et ton orteil gauche.
Yes, it's fine. All right. Well, we might just pause here. On va faire une pause. And thank you very much for volunteering to do this small demonstration. Merci beaucoup d'avoir participé à cette petite démonstration. And thanks to you. I suggest to both of you to do a lot of tapping in the next few hours. Je vous suggère pour toutes les deux de faire beaucoup, un maximum de tapotement dans les heures qui viennent. Because these things are often connected to other things, and the tapping allows you to get into all of those areas. Parce que souvent, ce qui sort dans les séances est connecté à beaucoup d'autres choses, et le fait de continuer à tapoter permet de libérer. Okay. And thank you very much, Maria, for coming and translating for us. Et merci à Maria pour la traduction. And this is just the beginning, so I look forward to showing people how to go much further in the workshop. Et c'était vraiment juste le début, un échantillon, et j'ai hâte de travailler avec vous et avec d'autres dans l'atelier où on va pouvoir aller plus loin pendant 3 jours. So, all right. Yes, me too. Bye for now. Et aussi. Et merci pour cette mise au travail à tout le monde. Thank you for putting us to work.